Quel rôle donnes-tu au sexe dans ta vie? Nouvelle thématique, nouvelle année. Mesdames, messieurs, bonsoir, que Dieu vous bénisse tous abondamment. Et oui, nous savons tous que Dieu nous a créés, hommes et femmes, et nous a dotés d'organes qui devraient contribuer à notre épanouissement. Le sexe, par exemple, qui fait partie intégrante des organes et aussi autour duquel gravite la majeure partie des scandales qui brûlent les relations entre humains, chrétiens et païens. Cependant, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons dominer, nous devons être au-dessus de tout appétit mesquin visant à transformer le sexe en don précieux de Dieu pour la procréation en un seul objet de plaisir. Sur ce plateau, Charles Mikongilundu, bonsoir et bienvenue. Très heureuse de vous retrouver ce soir. La joie est partagée, madame la journaliste. Vous savez, votre introduction me met dans la forme qui me permet de rentrer de plein pied dans cette émission. Et vous remarquez par le timbre de ma voix que nous avons, nous aussi, en entamant cette nouvelle marche marquée par la nouvelle année 2024, nous avons, nous aussi, été au contact de toutes ces petites pesanteurs qui tournent autour de la santé. Mais qu'à cela ne tienne, nous n'avons pas voulu déclarer forfait devant tous ces éléments de la santé pour être avec vous pour ce premier numéro. En tout cas, bonne année, meilleurs vœux à vous qui formulez tout le temps votre confiance à Asla et nous, vous du côté des diasporas, que ce soit en Europe, en Asie, en Australie, aux Amériques, vous, nos bien-aimés à travers l'Afrique, vous, mes bien-aimés de Pointe-Noire, la ville que j'aime bien parce que c'est la ville qui m'a adopté, en tout cas, que Dieu vous comble de toutes ses grâces et de ses bienfaits. J'allais dire prospérité, bonheur, mais je voudrais simplement dire que Dieu nous donne ce qui répond à sa volonté, parce que ce qui répond à sa volonté correspond, j'en suis sûr, à la nécessité de la vie que nous avons ici sur cette terre. En tout cas, soyez bénis et que nos choix, cette nouvelle année, elle ne puisse pas être dictée par notre chair, ni par les passions et les désirs de la vie dans ce monde, mais que 2024 nous rapproche de plus belle de l'éternel des armées, de notre Seigneur et notre Dieu. Bonne année à vous aussi, madame. Merci beaucoup, bonne année à vous. Merci. Nouvelle année, un message particulier à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent, qui suivent toujours cette émission Aslen. Voilà, nous commençons l'année 2024 avec ceci. Et je voudrais vous le dire du fond de mon cœur. Parce que nous remarquons, nous analysons, nous observons. Et je vous assure, madame la journaliste, que les fêtes de fin d'année donnent lieu à des réalités qui dépassent notre entendement. Mais ce ne sont là que des conclusions des vies que nous avons eu à mener en mettant Dieu de côté. Sinon, à quoi bon s'endetter pour commencer une nouvelle année lorsqu'on sait qu'on n'aura pas les moyens de rembourser ses dettes? À quoi bon être dans un état d'ébriété avancée, délirium très mince, terrible, et commencer l'année avec des ordonnances, commencer l'année avec des prescriptions médicales, commencer l'année avec l'hôpital? Nous avons vu, nous avons observé, nous avons remarqué. Et en ce début d'année, à tous et à toutes, je voudrais dire ceci. Une fois de plus, je reviens sur le thème de ma voix pour dire que nous aussi, nous avons été secoués quelque part en amorçant cette nouvelle année. Mais je voudrais vous dire ceci. Toute vie sur terre a une fin. Je reprends.
Toute vie sur cette terre a une fin. Si toute vie a une fin sur cette terre, cela veut dire que tout ce que nous aurons à faire dans cette vie aura aussi une fin. Madame la journaliste, je reviens, je dis, si nous sommes tous convaincus que toute vie sur terre a une fin, de façon évidente donc, tout ce que nous aurons à faire au cours de cette vie aura aussi une fin. D'aucuns diront qu'ils doivent se complaire dans tout ce qui est des hommes, tout ce qui est de la chair, tout ce qui est du monde, parce que la vie s'arrête sur cette terre. Mais à vous chrétiens, à vous qui croyons en Dieu, je voudrais dire ceci, au début de cette année 2024, que la grande différence entre ceux qui s'appuient sur cette vie actuelle, sur cette terre, et nous, c'est le fait de savoir qu'après cette vie, il y a une autre vie. C'est ça la donnée importante, la donnée principale, qu'après la vie sur cette terre, il y a une autre vie. Que nous le voulions ou pas, il nous faudra un jour être séparés de tout. Ce principe-là, si nous l'avons en permanence, nous allons nous rendre compte que c'est de l'inutilité d'aller se prévaloir dans ce qui ne vaut absolument rien. La Bible dit « vanité des vanités ». Aujourd'hui, vous faites du mal aux autres. Vous brimez les autres. Vous privez les autres de liberté, par exemple. Vous privez les autres de nourriture. Etcetera, etcetera. Vous vous dites que vous avez une parcelle de puissance, de pouvoir, de richesse dans la vie ici sur cette terre. La Bible d'ailleurs illustre très bien cette façon de faire en nous parlant du riche et de Lazare. Le riche n'avait pour réalité que ce qu'il vivait ici sur cette terre. Et il n'avait pas conscience qu'effectivement il y avait une autre vie. Et en 2024, si nous pouvons reconnaître Dieu en esprit et en vérité, l'accepter, mettre en pratique son amour, nous allons nous rendre compte que beaucoup de fléaux pour lesquels nous cherchons des solutions compliquées trouveront des solutions dans la manifestation de notre amour par rapport au prochain. Si en 2024, on peut mettre de côté l'égoïsme, l'ego, le moi, nous allons nous rendre compte que des solutions qui sont souvent cherchées loin pour soulager la précarité, la misère, ces solutions sont avec nous. Parce que nous aurons ouvert nos bras, nous aurons fait du partage ce que Dieu nous recommande dans son amour. Donc, que vous le vouliez ou non, que nous le voulions ou non, il nous faudra un jour être séparés de tout. Alors, il faut chercher à vivre avec l'éternité, parce que l'éternité ne nous lâchera pas. Donc voilà le message que je peux donner aux uns et aux autres. Et tout en disant merci à tous ceux qui ont soutenu cette émission courant 2023. Merci beaucoup Papa Charles, nous sommes à la clinique Essa, des débordements au cours du réveillon du nouvel an. Ah oui, à la clinique ici, c'est un lieu tout à fait approprié, comme d'ailleurs dans tous les établissements publics, pour juger des débordements qui peuvent subvenir au cours des fêtes de fin d'année. Bon, je dirais que ce que nous avons, nous, constaté, c'est beaucoup plus des cas d'ébriété. L'alcool a coulé à flot et a mis certaines personnes dans des positions où nous avons vu quelqu'un tomber dans un caniveau parce qu'il n'arrivait plus à se contrôler. Il y a eu des petites bagarres entre les uns contre les autres, mais sinon que nous n'avons pas déploré, comme c'était le cas l'année dernière, des cas, je dirais, beaucoup plus graves. Profitant de l'occasion, l'ONG ESSA venait de signer un protocole d'accord avec le gouvernement. Qu'en est-il exactement? Oui, l'espace Solidarité Santé, l'ONG que nous avons le privilège de diriger,
venait, courant décembre 2023, de signer un protocole d'accord avec le gouvernement par le biais du ministère de la Santé. Et c'est une très bonne chose pour nous, parce que nous l'avions cherché et demandé depuis longtemps, parce que dans nos objectifs, nous avons un objectif majeur, c'est l'amélioration des rapports malades, établissements de santé, personnel de santé. Donc nous avons un certain nombre de plaidoyers, nous avons un certain nombre d'actions à mener, la connaissance des établissements hospitaliers, la connaissance du personnel de santé, les recours et, bon, l'émission, cette émission n'est pas le cadre pour développer tous ces aspects, mais je dirais merci beaucoup au ministère de la Santé pour ce protocole d'accord et nous reviendrons au cours d'autres émissions, d'autres espaces pour présenter la feuille de route de l'ONG Espace Solidarité Santé par rapport à ce protocole d'accord conclu avec le gouvernement. Auditeurs, téléspectateurs et internautes de la RTOPH, vous qui nous suivez depuis la chaîne de la diaspora Asiana TV, comme précédemment annoncé, le thème de ce soir s'intitule « Quel rôle donnes-tu au sexe dans ta vie ?» Papa Charles, pourquoi ce thème cru et brutal en ce début d'année? Bon, déjà, le sexe est un sujet délicat dans la vie de tous les jours. Vous voyez même que pour développer un certain nombre d'aspects, nous sommes obligés comme de porter des gants. Parce qu'il faut éviter de toucher la susceptibilité des uns et des autres. La Bible elle-même nous parle des grands hommes de Dieu qui sont tombés à cause du mauvais usage du sexe. Et Dieu nous dit que le sexe sans amour contribue à baisser le niveau de notre spiritualité. Je vous dis, madame la journaliste, il y a des gens aujourd'hui qui sont en prison à cause du sexe. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en faillite à cause du sexe. Il y a des gens aujourd'hui qui sont malades à cause du sexe. Il y a des amis aujourd'hui qui ne s'entendent plus à cause du sexe. Il y a des familles qui sont en lambeaux à cause du sexe. Donc, vous voyez la délicatesse de ce sujet. L'inspiration forte qui nous a conduit à revenir sur ce thème, parce que nous en avons déjà parlé au cours des émissions précédentes, c'est ce qui s'est passé. Certains qui me suivent savent de quoi je suis en train de parler. Donc vous avez, madame la journaliste, un dirigeant d'église qui dit à son épouse, qui dit à sa famille, j'ai une séance de prière quelque part et je ne vais pas m'attarder, je reviens. C'est le jour, c'est la nuit du réveillon de Nouvel An. Sa femme ne peut pas douter de la conscience spirituelle de son mari. Et donc voilà, le mari qui part au confond, il avait un rendez-vous avec une sœur choriste de son église. Mais comme le monsieur est connu, il y a eu des hésitations s'il faut aller dans un hôtel parce qu'il pouvait être reconnu, aller dans un endroit public, il pouvait être reconnu. Donc ils s'en vont dans l'herbe. Et pendant qu'ils sont en pleine action, excusez-moi le terme, donc vous savez, dans après minuit, il y a des klaxons, il y a l'euphorie, il y a tout ça. Et il se trouve qu'il y a un monsieur aussi sur son kavaki, c'est-à-dire, vous savez, ce genre d'engin à trois roues que nous avons ces derniers temps, complètement bourré aussi, sous, qui roulait, qui ne voyait même pas la route. Et il vient surprendre le couple. En plein débat sexuel. Il vient surprendre le couple, donc c'est le monsieur qui prend par le dos. Donc, fracture de la hanche. La femme, fracture ouverte du poignet et des ecchymoses et tout. Et l'affaire fait grand bruit parce que la choriste était mariée. Le dirigeant marié. Donc, quand ce fait m'a été rapporté, je me suis dit, mais voyez un dirigeant d'église qui devait se consacrer à la prière. Parce qu'on passait à une année nouvelle. Voyez comment le sexe, la sortie de chez lui, sur la base d'un mensonge, l'a conduit dans des endroits. Mais franchement, vous avez parlé du sexe tout à l'heure, voyez comment des gens responsables, adultes, dans quel milieu ils se sont retrouvés. Et voilà
le pauvre Kavaki qui vient le surprendre. Quelqu'un a dit c'est un plan de Dieu. Bon, moi je ne juge pas. Mais donc, voyez que la délicatesse de ce problème, au regard de tout ce que nous vivons par rapport à ça, nous a dit qu'en 2024, nous devons commencer l'année par ça. Parce que si nous arrivons à discipliner tant soit peu nos ardeurs au niveau de ce domaine-là, nous allons régler beaucoup de problèmes. Madame la journaliste, il y a des gens qui n'ont pas pu construire aujourd'hui, ils sont allés à la retraite parce qu'ils ont accordé une importance exagérée au sexe. Il y a des gens qui sont allés malheureux à la retraite parce qu'au moment où ils allaient rebondir à la retraite pour se faire une nouvelle vie, ils ont préféré accorder de l'importance au sexe. Et ça les a conduits là où ça les a conduits. Merci beaucoup, notre invité principal. Nous allons retrouver la régie pour les réactions des citoyens de la ville océane concernant le thème du sexe. Vous savez que c'est par le biais du sexe que le diable a pu, n'est-ce pas, avoir Ève. On parle toujours du fruit. Mais en réalité, c'était quoi? C'était le sexe. Parce que vous allez remarquer que lorsque Adam et Ève se sont connus, la Bible dit « leurs yeux s'ouvrirent ». Vous comprenez? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi ils ont caché leur sexe? C'est parce qu'ils avaient utilisé le sexe. C'était le sexe qui avait créé toutes ces difficultés-là. Le sexe est d'abord spirituel. Parce que la Bible dit « quand tu couches avec une femme, tu deviens une même chair avec lui ». Je pense bien que ceux qui me suivent savent bien. Il y en a d'autres. Lorsque vous partez avec une femme, vous remarquez que votre vie commence à régresser. Il y a d'autres. Quand vous côtoyez une femme, vous remarquez que votre vie commence à monter. On dit en spiritualité, chaque amitié nourrit deux choses. Ou tu montes, ou tu descends. Alors, si tu remarques que votre amour vous amène à perdre votre boulot, à perdre votre santé, avoir des problèmes, il faut savoir que là, il y a un problème. Parce qu'il y a un problème de transmission de pouvoir. Celui qui est plus puissant que l'autre, c'est lui qui le transmet. Or, celui qui est plus possédé, quand tu couches avec un sorcier, n'oublie pas que le sang de la sorcellerie coule dans vos veines. Parce que le spermatozoïde, c'est le sang dans son état de la pureté. C'est pour ça que ça paraît d'une couleur blanche. Or, en réalité, le sang a la couleur rouge. Mais qu'est-ce qui transforme le sang à la couleur rouge? C'est le cœur. C'est pour ça que la spiritualité doit être contrôlée. La femme ou l'homme, tu dois savoir qui va sexuellement avec toi. Parce que si tu ne le contrôles pas, ça peut te compliquer dans l'avenir. Pourquoi? Parce que celui qui est possédé par une femme de nuit, ou bien possédé par un mari de nuit, peut aussi vous les transmettre. On les appelle en spiritualité, mais dans l'exorcisme, on les appelle femme de nuit, mari de nuit, on les appelle démon succube, démon incube. Mais il peut facilement vous posséder, parce que Asmodée peut prendre la forme d'une femme ou d'un homme. C'est pour ça que nous disons que la sexualité est d'abord spirituelle, parce qu'on se transmet des pouvoirs ou des forces négatives ou positives. Biso pe mibali lelo eloko ko mutinda biso to ko mama kasi na sexualité basi pe bandima kasu mibali misusute e koma ke mbali nanga atondisa kanga te na ndako metandis ke basala ki mbali te ko azala machine ya ko mataka mwasi na nzoto ke pendant 2 heures du temps sperme na vie ya mutu eza mayele ya cerveau ya mutu sperme jamais oko dégager kanga na tanyo so ya vie nayo mais mutu musu soye biteke eza mayele ne azo dégager bas énergie za nzoto nayo. Mais quand on dégage un bon, il y a des pertes. Mais moi, si je suis en train de parce que je suis âge 12 ans, je suis en train de me faire un bon. Si je suis en train de me faire un bon, je suis comme esclave. Mais quand je suis comme esclave, je suis en train de me faire un bon, je suis en train de me faire un bon. Il y a des gens qui ont possédé le sexe. Mais ok, via mon tout, c'est basé sur la sexité. Sexe est un devoir pour nous multiplier mon kilo, mais c'est un devoir et comme un sentiment comme désir à colia, désir à kosokola, désir à ndala. Sexe est un biso bato mon kilo te posséder nan. Mais Bible est l'obéla amour. Na base à amour, nzambe abagisaka makamebele na katime, na amour ouana, ezana balua ezakuna.
Merci beaucoup la régie, merci à nos intervenants. Papa Charles, parlons toujours du sexe. Tout à l'heure, dans votre intervention, vous venez de dire que la majorité des hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu, sont tombés à cause du sexe. Pouvez-vous en revenir là-dessus? Oui, vous savez, quand vous voyez des hommes qui avaient l'onction de Dieu, l'énergie, la puissance, la force de Dieu, des hommes qui aujourd'hui ont laissé des grands exemples, dans la foi, dans l'obéissance, dans la manifestation de la puissance de Dieu. Eh bien, quand on a cherché à les faire tomber, on n'est pas allé loin. C'est le sexe. Je vous parlerai du roi David, le fils de Jessé. Quand même le choix est fait parmi les fils de Jessé, on ne voit pas ce frêle David qui n'avait pas la forme. Mais il avait le choix de Dieu. Et nous sommes héritiers aujourd'hui du psaume 51, le psaume pour demander pardon, du simple fait que David, quand il prend l'air, il voit la femme de l'un de ses chefs des armées, Uri, Bathsheba, en train de prendre son bain. Et David va aller avec Bathsheba, et il va aller plus loin. Il va envoyer au front Uri, son mari, sachant qu'il allait mourir. Cet épisode est un enseignement pour dire qu'on peut être investi de Dieu, par Dieu. Mais attention, l'ouverture, l'une des ouvertures qui peut faire qu'on tombe, c'est le sexe. Et voyez que le roi David, quand le prophète Nathan vient le voir, eh bien, David est devant cette évidence. Regardez celui-là à qui on donne la sagesse et l'intelligence. Salomon. Et des concubines et des femmes, des milliers et des milliers. Il a fallu d'une femme étrangère pour que Salomon tombe. Je vais vous parler de Samson et de Dalila, si vous voulez. Samson et Dalila, le secret de Samson. On cherche le secret de Samson, mais c'est à travers la femme. Donc, vous voyez, le sexe est tellement délicat que si son usage ne correspond pas à la volonté de Dieu, eh bien, l'homme qui est l'homme de Dieu court le risque de perdre son étoile, de perdre son étoile, de perdre ses privilèges, de perdre ses grâces devant Dieu. Je vous ai relaté quelques exemples. Je pouvais vous parler de Sodome et Gomorre, par exemple. Donc, le sexe de tous les temps a été à l'origine de la chute des grands hommes de Dieu, a été à l'origine de l'opprobre tombé sur les enfants de Dieu par rapport à leur mauvaise façon de faire. C'est possible le sexe rien que pendant le mariage? Bon, vous posez là une question très importante. En fait, si on prend le rôle du sexe et ce que la Bible dit, vous savez, aujourd'hui, je ne vais pas trop m'étendre dans les détails. Nous avons cherché à recueillir les avis des uns et des autres. Et je peux simplement vous dire ceci. Le sexe est une création de Dieu, en faisant l'homme mâle et la femme femelle. Mais son exercice rentre dans un cadre déterminé. C'est le cadre du mariage. Raison pour laquelle, quand on le fait en dehors de ce cadre, il y a des mots qui surgissent. En bon français, la fornication, la débauche, l'impudicité, etc. Donc, il est bon que l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme, et les deux forment un seul corps, et pour lequel la Bible dit, ne vous privez pas l'un de l'autre, multipliez-vous, et on ne va pas rentrer dans tous ces versets. Donc, aujourd'hui, c'est vrai, il est difficile de concevoir le sexe en dehors du mariage. Mais non, il faut définir le mariage. Qu'entendons-nous par mariage? Vous savez, j'ai l'exemple de ma nièce dans une église quelque part. Et là-bas, on est véritablement strict sur ce principe. Pas de sexe s'il n'y a pas le mariage. Alors ma nièce
dans cette église a attendu que le pasteur puisse faire le choix de son fiancé. Le choix a été fait, les deux étaient présentés à l'église et il a fallu attendre le jour du mariage pour la consommation du mariage. Et donc nous sommes tous allés au mariage, ça s'est très bien passé, le couple est rentré chez lui et nous sommes rentrés chez nous. Alors 2 heures après, c'est un taxi qui arrive et on voit c'est la nièce qui sort vraiment dans un état compliqué. Tout le monde panique, on va vers elle, elle est en train de pleurer, qu'est-ce qui se passe? Oh non, mon mari a failli me tuer. Je ne vous donne pas les détails. Mais en fait, le couple se voyait dans cet état-là pour la première fois ce jour-là. La connaissance physique devait se faire pour la première fois ce jour-là. Et notre nièce a dit qu'elle ne pouvait pas accepter ce qu'elle a vu. Pourquoi je vous prends cet exemple? Vous m'avez posé la question de savoir, est-ce qu'on peut concevoir le sexe en dehors du mariage? Je vous ai dit, la réponse de la Bible est que le sexe ne peut être conçu que dans le cas du mariage. Cependant, quand je vous prends cet exemple, ça nous ramène à la question de savoir, qu'entendons-nous par mariage? D'aucuns vont vous parler aujourd'hui de la présentation devant les parents, de la présentation devant l'église, de la dot, du mariage officiel, de la bénédiction nuptiale. À partir de quel mariage on peut prétendre consommer le mariage de par le sexe? Ça, c'est la grande question qui revient aux uns et aux autres, parce que c'est un débat qui est ouvert. Merci beaucoup, Papa Charles. Nous allons retrouver encore la régie pour les réactions et revenir juste après. Bon, non, sexe qui n'a rôle. Dans le sens que si les stables dans mon appareil, mes zones sont vraies. Normalement, que mes zones sont bien, 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 l'église, bien, bien, chrétien. C'est normal. Mais, il y a un sens où nous avons une cuisine qui est bordée dans l'église. Il y a une vie normale. Il y a un pasteur qui est cuisine qui est bordée dans l'église. Il y a un cuisine qui est bordée dans l'église. Il y a un cuisine qui est chaque fois. Il y a un talent qui est bordée dans l'église. Il y a un talent qui est bordée dans l'église. Il y a un talent qui est bordée dans normal. Il y a un pasteur qui est enrichir. Il y a un cuisine qui est bordée dans l'église. C'est la même femme. Je suis un pasteur. Je vivre bien. Mais je suis un pasteur. Car je suis un toujours. Je suis un karma. Je suis un l'église. Je suis un bordel. Mais un jour, une fois, je suis un quelque part. Et je suis un si je suis un l'église, je pasteur. Je suis un pasteur. Le sexe, qu'il s'agisse des animaux, qu'il s'agisse des hommes, le sexe est là pour la progéniture, tout court. Il y a des gens parmi nous, des femmes, des hommes qui ont des totems. Si un homme a un totem de gorille, par exemple, si une femme a un totem de serpent, par exemple, de la tortue, par exemple, vous voyez ce que ça va faire? C'est à tout moment qu'il aimerait être dans le sexe de sa femme, etc. Vous voyez, madame la journaliste? Donc tout dépend d'une certaine éducation en matière de sexualité. Le sexe doit nécessairement se faire, pour un couple chrétien, le sexe se fait d'une manière modérée. C'est-à-dire, quand tu maries une femme, elle n'est pas ton esclave sexuel. C'est une femme que tu as mariée. La femme, sa mission dans un couple,
c'est la complémentarité. L'homme a un rôle à jouer dans un couple et la femme a aussi un rôle à jouer. Et dans le mariage, il y a le sexe. Le sexe permet aux mariés ou bien à ces couples de consolider leur lien amoureux et puis renforcer ces liens-là et permettre à ce que ce couple puisse évoluer d'une manière spirituelle, avoir des enfants et ainsi de suite. Dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 5, la Bible dit « Ne vous privez pas l'un et l'autre ». Et si vous descendez en bas, on donne plusieurs détails pour signifier aux chrétiens et aux enfants de Dieu que le sexe dans un couple n'est pas un esclavagisme, mais c'est quelque chose qu'on doit gérer d'une manière normale et modérée. C'est-à-dire que quand la femme est malade, tu ne peux pas l'obliger à faire le rapport avec toi, même si tu en as besoin. Quand l'homme est malade, toi, la femme, tu ne peux pas l'obliger à faire le rapport pendant qu'il est malade. Pourquoi ? Parce qu'il est indisponible, il n'est pas capable. Quand ta femme est dans ses périodes mensuelles, tu ne peux pas l'obliger à aller là-bas. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où Dieu a fabriqué à ce que le corps d'une femme puisse faire sortir toute forme de saleté qui se cache, n'est-ce pas ? Mais quand toi, même la voiture que l'homme a fabriquée, fait de vidange. Ce vidange-là, c'est quoi ? C'est la même chose avec le période mensuelle d'une femme. C'est-à-dire qu'il libère tout ce qui est sale pour faire rentrer des choses nouvelles ou bien la propriété pour qu'il puisse continuer. Parce que de peur que s'il ne fait pas ça, ça peut entraîner d'autres maladies et d'autres complications de la santé. Merci beaucoup la régie. Papa Charles venait tout à l'heure de suivre quelques réactions des citoyens de la ville Oséa. Pouvez-vous confirmer aussi que le mariage peut être un piège par rapport à leurs réactions? Madame la journaliste, quand vous suivez les gens, il y a un phénomène très grave aujourd'hui. Moi, je voulais parler des chrétiens. Hein. C'est pour ça que le thème est chrétien. Quel rôle donnes-tu au sexe dans ta vie? Je ne parle pas du monde. Parce que le monde a ses raisons. Le monde a ses excuses. Moi, je parle du chrétien parce que au moins, nous avons la Bible. Au moins, nous avons des références. Nous pouvons dire que nous adoptons telle attitude parce que c'est recommandé par telle référence dans la Bible. Que nous faisons telle chose parce que c'est sous-tendu par telle chose dans la Bible, dans la parole de Dieu. C'est pour ça que je voulais parler des chrétiens. Quand nous, chrétiens, nous sortons du rôle normal de ce que l'on doit consacrer à quelque chose pour se comporter comme des mondains, c'est à partir de ce moment-là que nous nous posons un certain nombre de questions et nous remettons tout le monde devant la parole de Dieu. Un piège, aujourd'hui, madame la journaliste, on se marie pour quoi? C'est la grande question aujourd'hui qu'il faut se poser. On se marie pour quoi? Le mariage, je vous ai donné la définition. D'ailleurs, il y a une expression qu'on entend souvent au niveau de l'officier d'état civil qui dit « pour le meilleur et pour le pire ». Est-ce que vous avez encore beaucoup de mariages aujourd'hui qui obéissent au respect de cette expression pour le meilleur et pour le pire? C'est-à-dire que moi, je voudrais simplement faire comprendre ceci aux uns aux autres. Que si nous n'avons pas la maîtrise de cette affaire-là, il nous sera difficile de construire une intimité sincère avec Dieu. Si nous n'avons pas la maîtrise de l'usage du sexe, il nous sera très difficile d'avoir une vie qui répond à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, il y a deux choses. L'argent d'un côté, le sexe de l'autre. Et on parle du mariage, alors qu'on n'est pas dans les attributs du mariage. On n'est pas dans les critères du mariage. On est dans un échange où d'un côté, il y a l'argent, de l'autre côté, il y a le sexe. D'un côté, il y a des biens parce qu'on doit satisfaire tel besoin. Et de l'autre côté, aujourd'hui, les gens font des calculs et veulent embellir ça par des mots d'amour,
par des phrases d'amour, mais qui ne correspondent absolument à rien. Quand vous enlevez ce qui est important aux yeux de ceux qui parlent de ce fameux mariage, c'est-à-dire les intérêts, les moyens, le mariage n'existe plus. Les mots qui viennent sont des mots qui viennent pour se réjouir des dons qui vous ont été faits, de l'argent qui vous a été donné. Mais le mariage par amour, par véritable amour, qui accepte la souffrance, qui accepte de se construire sur la base d'une communication sincère entre deux personnes, qui, pour nous qui prions, accepte de se construire sur la base de la prière, vous verrez aujourd'hui des couples qui sont partis de rien, mais qui se sont battus, qui se sont sacrifiés, qui ont compris l'intérêt de ce sacrifice, qui aujourd'hui peuvent se réjouir du chemin parcouru, de la famille qu'ils ont créée, des biens qu'ils ont eus. Vous verrez que ces mariages-là, dont le fondement est l'amour pur, diffèrent de ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de gens sont tombés dans le piège parce qu'ils ont cru aux mots doux qu'on leur sortait à gauche et à droite, à tout ce qui leur était fait comme pour leur faire croire qu'il y avait un amour. Or, en réalité, l'une des personnes se présentait dans cette relation rien que pour obtenir des intérêts matériels, des intérêts financiers. Peut-on affirmer que le sexe peut être un moyen de domination, Vacha? Mais écoutez, aujourd'hui vous avez beaucoup d'hommes qui ont perdu la raison de vivre, qui ont perdu le sens de vivre. Et quand ils se rendent compte, c'est trop tard, combien d'argent ils ont dépensé. Aujourd'hui, combien de gens quittent leur foyer où ils sont restés avec femme et enfants. Ils se sont battus. La femme s'est battue. Ils ont atteint une certaine situation, une certaine aisance matérielle. Et quelqu'un arrive, une personne arrive, vient détruire cette symbiose de famille. Le sexe moyen de domination, oui. Oui. Et oui. Quand vous voyez des gens qui sont esclaves, assujettis, parce qu'ils n'arrivent plus à être délivrés du piège du sexe. Ils n'arrivent plus à être délivrés du pouvoir du sexe. Il y a des gens qui ne réfléchissent plus parce qu'ils sont en couple quelque part. Et le couple exige telle chose. Donc, ils n'ont même plus pour eux-mêmes, ils n'ont même plus un plan de vie pour eux-mêmes. Tout le plan de vie devient pour la personne qu'ils ont rencontrée. Un moyen de domination, oui. Vous savez que même sous certains aspects ésotériques, sous certains aspects mystiques, eh bien, le sexe est un moyen de domination. Quand on vous parle de Samson et Dalila, mais comment on a fait pour découvrir le secret de Samson? Ce n'est pas la domination. La domination est intervenue par quoi? Par le sexe. On vous parlera même, sous d'autres cieux, des gens qui voudront bien faire affaire avec vous, mais en étant sûr qu'ils vont vous dominer d'abord sur le plan sexuel. Et quand ils ont la maîtrise de cette vie, de ce pont de cette vie, ils se disent qu'ils ont la maîtrise du reste de votre vie. Oui, le sexe est un élément de domination. Quelle est votre analyse sur le débat sur l'homosexualité en cours dans l'Église catholique? Bon, le débat sur l'homosexualité en cours dans l'Église catholique, dans un premier temps, ça fait rire. Ça fait rire, pourquoi? Parce que on se rend compte que ce qui a été dit depuis se confirme. Que de tout le temps, l'homme ne sait jamais plus de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu a conçu, de ce que Dieu a décidé et de ce que Dieu a arrêté. Et ce n'est pas surprenant de donner raison aujourd'hui aux gens qui ont dit que même la Bible, quelque part, l'homme est passé par là pour cacher ce qui n'était pas bien, pour cacher ce qui ne répondait pas à ses intérêts. Je ne parlais pas des homosexuels, ils ont leur vie. Et je ne rentrerai pas dans ce débat. Mais si je parle de Dieu, je veux dans Lévitique, Dieu est clair sur ce sujet. Un homme qui va avec un autre homme, un homme qui va avec une personne du même sexe, c'est une abomination. La Bible est claire là-dessus. Maintenant, que l'Église dise le contraire de ce que Dieu dit, à partir de ce moment, ça pose problème. On est dans la vie de tous les jours. On est dans le monde. Les homosexuels ont leur vie. Ils ont leur monde.
ils savent pourquoi ils le font. Ce n'est pas un débat qui nous concerne. Mais quand cela touche la parole de Dieu, quand cela touche la Bible, nous avons un mot à dire. Moi, je disais que ça me faisait rire parce qu'en fait, l'homme commence à se mêler les pinceaux, à se mélanger les pédales. Et de plus en plus, on comprend que, en fait, ce n'est pas Dieu que nous représentons. Mais en fait, nous avons fini par prouver aux yeux de tout le monde que nous ne sommes là que pour faire le jeu des puissances qui dirigent ce monde. Parce que si l'Église devait se résoudre de rester dans la vérité et de défendre cette vérité, ce genre de débat n'allait pas exister de nos jours. Réaction, la régie. Parce que moi, j'ai déjà que Boubié, je ne sais pas si tu es là. Mais biso na continent na biso eza pona amour toza basé parce que na amour même nzambe moko tango asali mubali ayebaki ke mubali azozanga mwasi na kote na ye tango nzambe alalisi mubali ayeko bimisele mwasi na kote mubali eloko moko amonaka na vini bana nzambe asala ye ayebaka ndenge basikaka te mais tango abaluki amoni mutu mubali asika yango esala point faible ya mubali amour vers mwasi na ye. Merci beaucoup la régie. Le sexe, quelle place donnes-tu au sexe dans ta vie chrétien? C'est le thème de ce soir. Papa Charles, pensez-vous que c'est à cause de la modernisation ou bien de l'industrialisation que certains chrétiens n'ont plus le contrôle au sexe? Non, vous savez, c'est juste le monde qui devient mauvais. Le monde devient de plus en plus mauvais. Et le monde nous fait croire que Dieu n'existe pas. Le monde nous fait croire que notre Dieu est virtuel. Le monde nous fait croire qu'avec Dieu, nous n'irons nulle part. Le monde nous fait croire que si nous voulons réussir, il faut adhérer à autre chose qu'à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, pris de complexe, pris de suivi, d'enthousiasme, perdons la foi, nous nous laissons aller à ce qui n'est pas bien. Il y a des forces qui nous dépassent et pour lesquelles nous avons besoin de Dieu pour marcher dans la vie de ce jour. Et il suffit pour le chrétien de se tourner vers Dieu. Vous l'avez dit tout à l'heure, quel rôle donnes-tu au sexe dans ta vie? Chrétien, quel rôle tu donnes au sexe dans ta vie? De te faire de l'argent? Un commerce? De dominer? D'assujettir? C'est ça le problème aujourd'hui. C'est-à-dire que là où nous sommes, chacun de nous, dans son fort intérieur, en toute liberté, en toute conscience, doit se poser la question, je fais quoi? Quel est le rôle que je fais dans mon sexe? Est-ce que c'est en respectant son usage dans un cadre propre du mariage? C'est en respectant son usage pour faire honneur à son conjoint? Respecter son usage pour respecter l'intimité avec Dieu. Certains aujourd'hui n'ont de leur nudité qu'un vagabondage qui ne dit pas son nom. Beaucoup ont cessé de faire des efforts parce qu'ils ont fait du sexe un instrument de travail. Ils gagnent l'argent avec la sueur de son front. Ils parlent de la sueur de leur front. Madame la journaliste, vous parlez de l'industrialisation, la modernisation, oui. Ce sont des choses qui nous devaient nous aider à mieux parler de Dieu. Parce que ceux qui nous ont précédés n'ont pas eu l'Internet, n'ont pas eu les moyens de communication que nous avons aujourd'hui. Mais quand vous voyez l'apôtre Paul, vous voyez toutes les communautés que l'apôtre Paul a eues à évangéliser. Mais nous, nous disposons aujourd'hui des moyens qui peuvent faire que nous parlons de Dieu plus loin et partout. Mais le problème, c'est quoi? C'est que on nous a pris
pour mettre en veilleuse ce Dieu. Et nous représentons les intérêts d'autres puissances en prétendant parler de ce Dieu alors que nous avons cessé de parler de ce Dieu depuis fort longtemps. Aujourd'hui, en parlant du sexe dans l'Église, vous avez parlé de l'homosexualité, mais il n'y a pas que l'homosexualité. Il y a un autre débat qui a bousculé l'Église catholique, c'est la pédophilie. Le débat sur la pédophilie n'est pas encore clos. Parce que c'est un débat aujourd'hui qui a laissé des traumatismes. Et parce que la reconnaissance de l'Église aussi n'est pas encore de façon sincère. Et que vous voyez qu'on n'est pas définitivement sorti de ce débat sur la pédophilie qu'on tombe sur le débat sur l'homosexualité. Vous croyez que l'Église n'a pas autre chose à faire que de revenir sur ces problèmes-là. Et quand vous voyez ça, madame la journaliste, l'Église obéit à qui finalement? Quand vous voyez ces débats-là, vous allez aisément comprendre à qui obéit l'Église. Mais moi, je peux vous dire sans juger que ce n'est pas à Dieu. Cette façon de faire de l'Église prouve que l'Église n'obéit pas à Dieu. Comment est-ce que le chrétien doit se comporter pour maîtriser ses plaisirs, ses envies sexuelles? Vous savez, nous avons, nous, dans l'association de Zolamo OPH, ce qu'on appelle le texte d'engagement. C'est-à-dire quand nous décidons de passer membre, nous signons un texte d'engagement qui commence par ceci: je renonce au monde, à ses relations, à ses plaisirs, à ses relations coutumes coupables. Vous savez, la meilleure façon de vivre l'intimité de Dieu, c'est de respecter son propre corps, de le contrôler, et de ce point de vue-là, d'user du sexe que dans les possibilités qui sont définies par la parole de Dieu. Ce qui fait que la fornication, l'impudicité, la Bible dit que tout péché qu'on commet est extérieur au corps. Mais ce péché-là nous lie. Il est dans nous. Il est en nous. Donc, nous n'avons peut-être pas détaillé comme il le faut, mais nous avons voulu commencer cette année. Il y a une chanson qui dit Makambo mibale ebomi mokili mobimba. Liboso c'est likambo ya falanga, ya mibale likambo ya mwasi. Nous avons, lors de nos thèmes de l'année passée, nous avons parlé du bien mal acquis. Nous avons parlé de la cupidité. Et aujourd'hui, nous voulons parler de ce qui est en nous, que nous pouvons maîtriser, que nous pouvons contrôler. Mais cela n'est possible que si nous croyons en Dieu. Pas le Dieu que nous nous fabriquons. Pas le Dieu de nos excuses. Pas le Dieu de nos compromis. Pas le Dieu de nos complaisances. Mais Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu créateur. Papa Charles, pensez-vous que le sexe est toujours la concrétisation de l'amour? Le sexe doit être la concrétisation de l'amour. C'est-à-dire le résultat de l'amour. Vous comprenez, madame la journaliste? Beaucoup de couples, de foyers souffrent de frigidité, souffrent d'incompréhension, simplement parce qu'ils n'ont pas compris l'utilité du sexe et comment on arrivait là. J'ai eu une dame, une sœur qui est venue me voir, 20 ans de vie de couple, elle n'a jamais tiré un seul plaisir d'un acte sexuel avec son mari. Et quand vous cherchez à comprendre les raisons, vous voyez que c'est une relation à sens unique, qu'on ne cultive pas le terrain pour arriver à cet objectif, qui inclut la communication. En fait, l'acte sexuel, c'est le résultat de tout cet amour, la concrétisation de tout cet amour. Et on est capable de s'épanouir sexuellement dans un couple si on a compris la signification de cet acte. Et on en parle, on communique, on échange. On n'en fait pas un sujet tabou, surtout quand on est en couple, surtout quand on est ensemble. On parle des défaillances des uns. Cette femme a dit que pendant 20 ans, craignant de gaspiller son mariage, elle n'avait pas le courage de dire à son mari que. Et voilà que nous avons fait asseoir les deux, nous avons discuté, et nous avons compris d'où venait le problème. Et aujourd'hui, le problème est réglé. Donc oui, l'acte sexuel sans amour ne vaut absolument rien, au contraire, nous rapproche des malades, des animaux. Mais Papa Charles, à quel moment doit intervenir la chasteté dans un couple? Puisque nous parlons de sexe. Paul dit, ne vous privez pas les uns les autres, sauf pour vous consacrer à la prière.
Donc, quand vous avez une nécessité, ça doit être aussi de commun accord. Quand vous êtes en couple, ça ne doit pas être une décision, hein, une loi adoptée par l'Assemblée où une seule personne a voté. Ça doit être de commun accord. Vous devez vous consacrer dans la prière parce que vous avez tel objectif. L'objectif peut être au niveau de l'Église. L'objectif peut être au niveau de la famille. L'objectif peut être à titre personnel. Vous voulez obtenir telle faveur. Vous avez lancé telle entreprise. Vous attendez à tel résultat. Et vous voulez vous concentrer. Vous devez oublier un peu tous ces besoins naturels. Mais il faut toujours le faire à deux. C'est de commun accord. Merci beaucoup. Plus que quelques minutes nous séparent de la fin de cette émission. Papa Charles, nous revenons encore vers vous pour prodiguer quelques conseils à l'endroit des couples. Vous avez senti, pour ceux qui nous connaissent, que c'est un peu dans la difficulté que nous avons, que nous arrivons à la fin de cette émission, parce que nous avons dit dès le départ que certains soucis de santé faisaient que, mais être avec vous est plus fort, et c'est ce qui a fait que malgré ces soucis de santé, que nous soyons à l'antenne. Et déjà, Dieu merci. Alors, mes bien-aimés, si nous arrivons à maîtriser l'usage de l'acte sexuel, c'est un grand pas que nous allons faire dans la vie de tous les jours. D'abord, en étant fidèle à notre Dieu, et ensuite, en étant organisé dans notre vie. Combien de gens se sont suicidés parce qu'ils ont eu un mauvais usage du sexe? Combien de gens se sont retrouvés en prison parce qu'ils ont eu une relation? Et la relation leur demandait beaucoup d'argent. Ils étaient comptables quelque part, ils sont allés voler, ils ont détourné de l'argent, ils se sont retrouvés en prison. Combien de gens n'ont plus de vie parce que tu es tombé dans une relation toxique où la personne qui est venue à ta rencontre n'est venue que pour se faire sa vie. La vie qu'elle n'a pas pu avoir au bout des années, elle veut l'avoir à travers tes biens et tout. Et tu t'es lancé là-dedans croyant en l'amour. Et aujourd'hui, si on parle des grossesses non désirées, on parle même de l'éducation des enfants, parce que la grossesse n'avait pas été désirée. Mais on y est arrivé. Et on a le papa et la maman qui ne s'entendent plus. Et la répercussion, c'est sur la vie des enfants. Et on peut multiplier les exemples. Je vous ai dit au début de cette émission qu'il y a eu des amitiés qui se sont rompues, des familles qui se sont disloquées à cause du mauvais usage du sexe. Maîtrisons nos passions, nos désirs en 2024. Démontrons la différence qui existe entre les hommes que nous sommes, les humains que nous sommes et les animaux. Et nous aurons compris la nécessité d'être avec Dieu. En tout cas, au réveillon de fin d'année, nous avons assisté à des scènes. Vous savez, chez moi, le mur de ma maison, j'entends des bruits bizarres. Je sors, c'est un couple. Le mur de ma maison. Pas des jeunes, des adultes. Nous avons assisté à beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Et tant que cela concerne ceux qui ne connaissent pas Dieu, on peut dire, bon, mon peuple meurt faute de connaissance, comme il est dit dans Osée. Mais pour nous, vous connaissez les ravages du sexe dans les églises aujourd'hui, madame la journaliste. Combien de pasteurs, de dirigeants des églises que nous sommes, on n'a pas attrapé dans telle position qui n'est pas bien. En fait, nous offrons ce thème en 2024 pour faire que si nous avons plongé dans cette boue en 2023, que nous commençons 2024 dans la propriété. Et c'est le message que je donne aux uns et aux autres. Grand merci à notre invité principal, cher Mikungi Lundu. Grand merci à vous qui avez participé à cette émission. Grand merci à la réalisation, Merveille Bitoyi, Chancy Ristal, Tetras Gomadiwanzi, Roger Tello, Ephraim Kasonga, Brège Lubaki, et à vous, auditeurs, internautes et téléspectateurs de la RTOPA, sans oublier la chaîne de la diaspora, Ziana TV. En tout cas, le thème a été au top. Tant pis pour ceux qui ne vont pas respecter la loi de l'Éternel. Contrôlons-nous, le sexe se trouve en nous. Et c'est nous qui contrôlons le sexe.
contrôlons nos envies pour que nous puissions être en commun accord avec notre Dieu. En tout cas, nous vous remercions infiniment. Passez une très bonne soirée.